Je m'appelle Molly Bloom. Vous savez qui je suis? J'ai lu l'acte d'accusation après votre appel hier soir, puis j'ai acheté votre livre. Vous comprenez que vous êtes accusé d'avoir tenu une maison de jeu illégale? Vous acceptez de me défendre? Je crois pas que j'arriverai à convaincre mes associés de jouer gros avec la princesse du poker. Si vous croyez qu'une princesse peut faire ce que j'ai fait, vous vous trompez. Je sais que vous avez une piètre opinion de moi, mais qu'est-ce que vous diriez si toutes vos informations et vos préjugés simplistes sur moi étaient faux? Ça m'épaterait. Ceci est une histoire vraie, mais j'ai changé tous les noms à part le mien. Hé, hey Molly, ma partie de poker hebdomadaire déménage au Cobra. J'ai besoin de ton aide. Je côtoyais des vedettes de cinéma, des réalisateurs et de puissants hommes d'affaires. Ils risquaient tout, tout le temps. Merci, Molly. Tiens, c'est pour toi. Merci beaucoup. Je vais arrêter de te payer en tant qu'assistante. Tu me mets à la porte? Non, je vais seulement arrêter de te payer. Tu reçois de l'argent chaque semaine pendant la partie. Je trouve pas ça juste. Tu vas arrêter de me payer parce que je gagne trop d'argent dans mon deuxième emploi. Et si je dis non, je vais perdre les deux emplois parce que toi, tu trouves pas ça juste? T'es pas en position de négocier. Je peux te remplacer n'importe quand. Tu sais combien de sorcières ils ont brûlées à Salem? Combien? Aucune. Ils brûlaient pas les sorcières, c'est un mythe, ils les pendaient. Face à mon impuissance, l'humiliation avait fait place à une profonde colère. Il me fallait un plan, et vite. J'organiserai une partie dans cette suite tous les mardis soirs. Droit d'entrée, 250 000. Ça va faire jaser, ça. Alors on joue? Vous avez passé 8 ans à Hollywood et 2 ans à New York à la tête du plus sélect et du plus décadent des repères masculins. Vous avez lu les autres noms sur l'acte d'accusation. Allons, Molly, à quel point étiez-vous impliqué dans la mafia russe? Tu es trop exposé. T'as 2,8 millions en circulation dans les rues en ce moment. Tu vas te faire prendre. Vous avez mis sur pied une société de plusieurs millions de dollars, presque uniquement grâce à votre intelligence. Vous êtes mise en accusation par la Cour fédérale. Eh ben, personne n'est parfait. Il y a une nouvelle offre sur la table. L'immunité absolue. En échange des disques durs. Vous avez vu ce qu'ils contiennent. Il y a de quoi briser des vies, des familles, des carrières. Pourquoi vous vous battez toute seule? Où sont les gens que vous protégez en me cachant des bouts de l'histoire? Je leur dirai tout ce qu'ils veulent savoir sur moi. Sur moi seulement. Et c'est tout.